Est-ce qu'il est possible d'avoir un huge en free-to-play sur Pet Simulator? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. C'est pour ça que je suis sur un nouveau compte, vous voyez les gars. Donc on va choisir nos deux premiers pets, voilà. Et on est sur un nouveau compte, comme vous voyez. Regardez, juste ici, Cradock free-to-play, c'est mon pseudo. Et mon objectif, les gars, ça va être d'avoir un huge ou plusieurs, voire dans cette vidéo. Par contre, je vois qu'il y a mes comptes au-dessus. Je vais changer de lobby parce qu'on va essayer de demander des pets aux gens. Ça va être notre première stratégie pour essayer d'avancer très vite dans l'aventure. Et pour ceux qui veulent des huge, bah cette vidéo va vous aider. Je pense que c'est le meilleur moyen pour les gens free to play. Je vais tout vous expliquer comment faire. Ok les gars, il n'y a plus personne dans mon lobby. Du coup, je vais pouvoir commencer. On va casser toutes les pièces et on va essayer de faire les tout premiers défis pour avoir l'overboard et tout ce qui suit derrière. Déjà, première quête débloquée, on gagne des petits diamants. Là, je connais la quête, faut ouvrir des œufs. Vous êtes prêts? Voilà, je connais les gars. Du coup, les gars, j'ai fait 10 comptes pour la dernière vidéo et je les ai montés. Du coup, bah, je connais les défis, les gars. Par contre, là, j'ai plus assez de pièces pour ouvrir l'œuf. Attendez, je vais commencer un petit peu à casser des petits œufs pour avoir les défis et ensuite, je vais demander des pets aux gens. Mais vraiment des pets nuls, mais qui sont déjà un peu mieux que ceux que j'ai là. Comme ça, je vais avancer plus vite. Je pense que c'est la meilleure stratégie pour commencer dès le début de Pet Simulator. Donc, ceux qui veulent commencer Pet Simulator et qui voient cette vidéo, n'hésitez pas à suivre ce que je vous dis. Et attendez, on va aussi prendre les reliques, les gars, c'est important. Parce que ça va nous permettre d'avoir des shiny qui sont beaucoup plus forts. Regardez, là, on en a une aussi là. Et on va pouvoir s'ouvrir la deuxième zone, les gars, let's go! Ok, on a des diamants et un petit livre. On va pouvoir se mettre la petite potion de speed et le petit livre speed. Et les gars, j'aurai le droit de dépenser 0 Robux dans cette vidéo. Et j'aurai pas le droit de m'aider de mes autres comptes. Ça sera vraiment un challenge qui va me prendre du temps. Ça se trouve, je vais faire ça en moins de 24 heures. Ça se trouve, ça va me prendre 3 jours. Bah, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, les gars. Parce que bien sûr, si je me donne des pets avec mes autres comptes, c'est pas drôle. Je vais finir le jeu trop vite. Et vous savez quoi? Là, on a débloqué un nouvel œuf. On va se l'ouvrir. Je peux équiper combien de pets? Là, 4. Du coup, je vais ouvrir 4 petits œufs. Ok, un petit canard. On veut les meilleurs là. On veut le perroquet là, si possible. Ou même le singe, ça serait pas mal. Oh, le singe, let's go. On va s'ouvrir un quatrième, allez. Et le canard, ok. Du coup, là, on a des meilleurs pets. Et on peut déjà s'acheter la prochaine zone, c'est carré. Donc, ok, hop, on achète la prochaine zone. Ça, on va pas l'acheter parce que c'est pas très utile. Ici, on peut débloquer pas mal de trucs, notamment les diamants. Je vais les prendre. Petite relique là. Et les gars, en fait, ce qui va nous aider énormément, c'est la trading plaza. Mais attendez, on va essayer de faire un truc. On va attendre que mes pets farm. Et on va voir s'il y a pas des gens qui peuvent me donner des pets. Donc, je vais demander dans le chat. Du coup, j'ai demandé, regardez en haut, est-ce que des gens peuvent me donner des pets? On va voir si les gens, ils sont sympas ou pas. Mais les gars, s'ils sont pas sympas, moi, ça va être galère ce défi. Je vais essayer de trade des gens. On va trade des gens. On va trade plein de gens, les gars. On va voir s'il y a quelqu'un qui veut m'accepter. Oh, attendez, attendez. Il va me les donner. Oh, il me donne des pets de fou, les gars. Let's go. Regardez, le mec, il m'a donné des pets de malade. Je vais pouvoir avancer tellement vite maintenant. Du coup, on va déjà s'acheter, hop, la prochaine zone. Et regardez, là, on va déjà s'acheter des nouveaux pets. Donc, hop, on s'achète 2 nouveaux pets. On n'a pas assez pour le reste. On peut s'acheter plus de diamants. Ça va nous aider, ça. Et hop, on peut déjà aller aux prochaines arènes. Les gars, meilleure technique, honnêtement. Si vous commencez le jeu et que vous voulez avancer vite, demandez des pets aux autres. Parce que eux, ils ont des pets qui leur servent absolument à rien. Et des fois, il y a des gens sympas. Franchement, Pushy, là, c'est vraiment un crack. Trop, trop sympa, le mec. Ok, là, il me demande d'acheter le pack. Mais on est en free to play. Donc, je vais pas l'acheter, les gars. Je vais pas l'acheter. Ok, hop, 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 hop. On va tout casser, les gars. On va avancer vite. Il faut qu'on fasse les missions. Faut que je gagne des diamants et que j'ouvre des œufs. Et ensuite, les gars, j'aurai enfin le petit overboard et je vais aller beaucoup plus vite. Ok, attention. Hop là. Je vais pas acheter le move faster dans tous les cas. Parce que je vais avoir mon overboard. Du coup, ça va me servir à rien ensuite. Je vais déjà accéder à la prochaine zone. Mais en fait, les pets qu'il m'a donné, c'est trop bien. Là, on peut ouvrir plus d'œufs grâce à ça. Mais je vais pas le prendre tout de suite, les gars. Parce qu'on a pas assez de gemmes, les gars. On a vraiment que dalle. Et les gars, regardez, je vais mettre un autoclic. Comme ça, je vais pouvoir taper beaucoup plus vite pour casser les trucs. Ça va être très important. Regardez, hop là, je casse tellement vite les trucs. Je vous conseille aussi, si vous êtes pas sur PC, malheureusement, vous pourrez pas mettre d'autoclic. Mais si vous êtes sur PC, mettez un autoclic. C'est très important. Ok, les gars, let's go. Je vais pouvoir prendre cette récompense. Du coup, il va manquer 4 étoiles pour avoir l'overboard. Ok, on est à une nouvelle zone. On est plutôt pas mal. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas retourné au spawn pour ouvrir des œufs, vu que là, on est parfaitement... On est parfaitement carré, les gars. On a tout ce qu'il faut. On a les meilleurs pets. J'ai acheté la prochaine zone. Ok, nouvelle zone. Et vous savez quoi, les gars? Ok, bon, il y a eu un petit bug de rec, les gars. Mais c'est bon. Et comme vous voyez, du coup, j'ai l'overboard. Et j'ai aussi pris le social reward en me vérifiant sur Twitter. Malheureusement, je crois que je peux avoir. Ah non, si, ok, c'est bon. Je dis malheureusement, mais c'est bon. Du coup, là, hop, récompense de groupe. 750 diamants, des potions. Donc là, les gars, ça va être carré. J'ai 2800 diamants. Je peux m'acheter 2 pets en plus. Faut pas oublier d'acheter toutes les potions. C'est très important aussi. On a aussi
aussi un cadeau là. Et les gars, je pense que je vais rush. Donc soit on se retrouve quand j'ai un truc intéressant, soit quand j'ai fait un rebirth, les gars. Normalement le rebirth devrait pas me prendre trop de temps. Mais du coup les gars, à tout de suite quand je suis au premier rebirth, le premier gros moment de l'aventure. Ok les gars, regardez où on est. Je vais juste prendre les diamants avant parce que c'est quand même important d'avoir beaucoup de diamants pour acheter les nouveaux trucs. Et regardez, on est à la renaissance, on est au rebirth du coup. Let's go, c'est parti les gars, c'est parti, première renaissance. On va avoir plus de dégâts sur les pets. On va débloquer la trading plaza, le petit château et tout. Donc on peut aller dans la trading plaza. Donc regardez, je vais faire un truc les gars qui va me faire gagner pas mal de diamants. J'avance encore une fois ici aussi. Je peux reclaim ça ici. Du coup j'ai gagné 10k diamants grâce à la renaissance. Et attendez, du coup je vais devoir monter rang 3 si je veux avoir plus de pets. Donc dès que je suis rang 3 je vais acheter plus de pets. Il me manque une truc pour être rang 3. On va voir ce que je dois faire du coup comme défi. Je dois collecter un enchantement. Du coup attendez, regardez, hop, juste là on va s'acheter hop un petit enchant. Et du coup hop, je suis rang 3. J'ai gagné quelques diamants, des items. Et regardez là du coup je peux acheter plein de nouveaux pets à équiper. Voilà. Du coup actuellement on est à 15 pets équipés. On va ouvrir la porte du château. Et très important, quand vous rentrez dans le château, prenez bien votre ticket du jour. Et ensuite regardez, je vais pouvoir le vendre et me faire 18 000 de monnaie. Et le mec il m'a donné des pets, donc je peux les vendre 2000 unités. Donc je peux aussi me faire des diamants. Regardez juste ici, on va essayer de vendre certains trucs. Je sais pas comment mais j'ai eu ça. Moi c'est parce que j'ai like. Du coup je peux mettre un truc stylé. Et regardez, on va directement vendre notre petit ticket à 18 800. Comme ça on va se faire pas mal de gemmes. On va vendre aussi nos petits chiens là hein. Mais non, ils valent 54 unités. Ah non, en fait ils valent pas cher du tout. Par contre j'ai vendu mon ticket à 18 000, let's go. Je vais aussi vendre hop ma petite TNT pour 8502 gemmes. Je crois qu'on peut avoir voilà des petites reliques. On va toutes se les prendre. On a une normalement sous le pont là là. Je crois qu'il y en a une là aussi là. Elle est juste là, on peut la voir. Bugué les gars, on peut pas la prendre. Je suis carrément bloqué en plus. À l'aide. Du coup vous savez quoi, hop, on va s'acheter notre petit pet à équiper en plus. On va s'acheter un peu plus d'œufs à ouvrir là. On va acheter hop table de mage. On va s'acheter certains trucs. Et on va re-rush les gars. Là on va devoir réavancer. Ça va prendre encore une fois beaucoup de temps. Le plus dur en fait c'est le début. C'est ce qui est long. Et ensuite on va essayer de full vendre pour essayer d'avoir le huge. On se retrouve tout à l'heure s'il se passe un truc intéressant. Ou si j'arrive à aller au deuxième rebirth plutôt. Et voilà, à tout à l'heure les gars, à tout de suite. Les gars, ça fait environ une heure, je sais pas, ça fait très longtemps que je farm pour les zones. Et comme vous voyez, si on regarde, je suis zone 49, c'était très long. Regardez, j'ai assez pour acheter cette zone et je peux enfin accéder au deuxième rebirth. Juste avant d'aller au rebirth, je crois qu'on a, voilà, des petites reliques juste là, hop là. Et ensuite, on en a une là et on en a une là-haut. Du coup, je vais pouvoir faire mon deuxième rebirth. J'aurai 75% de plus en force. Je peux ouvrir les œufs automatiquement. Je peux avoir des huge dans les œufs et j'ai des récompenses. Donc on va voir ce qu'on va gagner les gars. J'espère beaucoup de gemmes. J'espère beaucoup de gemmes. Attention, let's go, c'est parti. Ok, et attention, qu'est-ce que je vais gagner? On va voir. Les récompenses, c'est quoi les gars? 25 000 diamants, let's go. Ok, des petits items encore. Une TNT. Et regardez les gars ce que j'ai drop. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai ouvert un petit cadeau et j'ai eu un livre Coin 5 mythique. C'est une dinguerie, ça vaut 25 000, ça peut se vendre. Honnêtement, je suis très content, ça fait plaisir les gars. Du coup on a 34 000 gemmes, on est encore très très loin d'avoir un huge. Et normalement juste ici je peux avoir voilà des nouveaux pets, ça me coûte très très cher. Je vais utiliser toutes mes gemmes et voilà, let's go. Du coup j'ai 24 pets équipés les gars, c'est une dinguerie. Vous savez quoi, nous on va encore une fois farm de malade. Je vais essayer d'aller le plus loin possible et on va voir du coup s'il y a un truc intéressant. De toute façon vous le verrez. Et sinon on se retrouve dès que je suis tout à la fin pour commencer à farm et avoir assez pour un huge. Re les gars, après environ un peu plus de 3 heures, enfin je sais pas combien de temps ça m'a pris les gars honnêtement, mais je pense que ça m'a pris 3 heures. Je peux enfin acheter, je crois que c'est la dernière zone. Et oui, j'arrive au bout les gars, enfin. Bon, j'ai beau être à la toute dernière zone, j'ai que 2900 gemmes les gars, je suis tellement pauvre. Mais vous savez quoi, je vais farm un tout petit peu plus tard, mais juste avant du coup on va partir à la trading plaza parce que j'ai quelques trucs à vendre. J'ai aussi du coup des petits cadeaux
ouvrir. J'ai peut-être une chance dans les cadeaux d'avoir des livres qui se vendent pas mal cher. Du coup, on va d'abord s'ouvrir les trois gift bags comme ça. Est-ce qu'on peut avoir un truc sympa ou pas? Pas de livres spéciaux. Ok, malheureusement, pas de livres de fou. Et vous voyez, j'ai acheté aussi des pets en vendant un autre ticket que j'ai eu. Du coup, j'ai pu m'acheter cela. Il coûte 800 unités. Et du coup, j'ai plus de puissance. Par contre, j'ai pas pu m'en acheter plus parce que ça coûte trop cher. Mais là, du coup, on a deux larges gift bags. Soit je les vends à 13 000 unités, soit je les ouvre, mais je me dis, je peux avoir un livre de fou dedans. Du coup, je vais ouvrir les deux. Dites-moi que j'ai un truc de fou. Ok. Non. J'aurais dû les vendre. J'aurais dû les vendre. En fait, j'ai eu un livre Tap Power, mais ça vaut 2000. Du coup, on va aller à la Trading Plaza. On va aller vendre un petit peu. Et ensuite, ce qu'on va faire, le meilleur moyen, ça va être de farmer dernière zone, d'ouvrir plein d'œufs et avec ces œufs, vendre des pets. Mais honnêtement, là, je vous rends pas, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Parce qu'en plus, j'ai pris le pire moment parce qu'il n'y a pas d'event. Alors que par exemple, tu vois, si j'étais pendant l'event cadeau, j'aurais pu les vendre et j'aurais fait un use très facilement. Là, il n'y a pas d'événement. Donc, c'est vraiment le représentatif parfait de n'importe qui. Parce que si je le fais pendant un event, ça sera beaucoup plus simple. Mais là, du coup, peu importe ce qui va se passer, je veux avoir un huge avant la fin de la vidéo. Je voulais voir un truc, les gars, parce que j'ai un bas de clé, un haut de clé. Ça coûte 30 000 et ça coûte 8 000. On est à environ aux alentours de 38 500. Le haut et bas de clé et la clé entière coûte 52 000. Ok. Du coup, regardez, en fait, j'ai ça et ça. Du coup, je vais hop combiner ça. Je vais en faire une clé et je vais la vendre du coup en entière. Donc, je vais prendre un petit stand ici. Je vais mettre ma clé à 53 000. Je vais aussi mettre deux TNT à 17 000. Et est-ce que j'ai des trucs qui valent de l'argent un petit peu là? J'ai rien d'autre, hein. Si j'ai deux tickets, donc je peux faire 37 400. Je vais vendre ça à 38 000. Donc là, on peut faire un peu d'argent quand même. Et je peux essayer de voir si je peux pas faire de l'achat-revente, acheter des trucs qui sont en dessous du prix de base et le revendre au prix de base. Peut-être que je peux faire ça. Bon, par contre, là, j'ai 0 gemme, du coup, je pourrais pas. Mais une fois que j'en aurai, je vais peut-être essayer de faire ça. Je pense que c'est le meilleur moyen. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais à FK. Je vais attendre que ça soit vendu. J'aurai environ 100 000 quand ça sera vendu. Et je pourrais soit acheter des trucs, soit repartir farm. On verra. Là, les gars, on a absolument tout vendu. Vous voyez, je suis à 113 000. Et tout à l'heure, je l'ai pas fait parce que j'attendais d'être en vidéo. Mais on a un distributeur de potions mythiques qui est juste là. Et si je paye 10K, j'ai une chance d'obtenir une potion qui vaut plus de 100 000. Si j'ai une potion 7, c'est incroyable. On va voir qu'est-ce que j'ai. On va payer 10K. 3, 2, 1, let's go. Non, j'ai payé 10 000 pour une potion qui vaut 5 000. Non, je suis dégoûté. Ici, on va payer le boost de diamant parce que ça va nous être utile. On va payer aussi les drops, ça coûte très cher. Mais en gros, là, ce que j'ai décidé de faire, ça va être de farm ici. Et il y a un gars qui a un Titanic carrément. Ah oui. Mais en gros, c'est que je vais essayer de farm ici. Je vais essayer d'avoir des meilleurs pets parce que là, j'ai même pas les meilleurs pets. Donc regardez, hop, je vais utiliser le max d'objets que je peux. Hop, je vais mettre ma potion de dégâts carrément. Et en gros, là, mon but, ça va être de trouver du coup des trésors en cassant des trucs et aussi d'essayer d'avoir le maximum de pièces pour ouvrir des œufs. Par contre, ça casse pas très rapidement là. Hein. Ok, on a notre monnaie qui monte un petit peu. Là, il y en a qui farm. Il y a même l'autre avec son Titanic, mais j'ai l'impression qu'il fait pas beaucoup de dégâts. Je vais mettre plein de TNT, les gars. Je vais mettre plein de TNT. On va essayer de casser le max de trucs. Et on va essayer aussi de faire nos défis parce que on peut gagner des items. Par exemple, le large gift bag dans les défis. Une clé entière. Donc ça peut être pas mal, honnêtement. Les gars, je viens d'avoir une idée. Parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour l'événement Nouvel An, j'ai joué en free to play. J'ai monté des comptes en total. J'ai rien payé sur le compte. Littéralement rien. J'ai monté des comptes jusqu'au premier rebirth pour avoir accès au château. Et ensuite, avoir les cadeaux de Nouvel An dans la Trading Plaza. C'est-à-dire, en fait, j'ai 10 comptes où je peux avoir un ticket gratuit, les gars. Un ticket de roue. Et je pourrais les revendre. Donc je vais lancer mes autres comptes. Parce que ça, je le compte, les gars. Parce que vous aussi, vous pouvez le faire. Par exemple, si vous avez un PC ou n'importe quoi, vous prenez un deuxième compte, vous le montez jusqu'à la Trading Plaza, vous prenez un ticket et vous voulez changer sans devoir payer. Donc je compte ça comme du free to play parce que vous pouvez le faire. C'est aussi une méthode, les gars. Imaginez juste, vous avez 10 comptes. Tous les jours, vous prenez ces 10 comptes. Vous allez juste dans le château et vous prenez votre ticket. Ça vous fait 10 tickets par jour. Donc ça vous fait 230 000 gemmes totalement gratuits. Et si vous faites ça avec encore plus de comptes, en fait, ça fait trop d'argent. Du coup, c'est aussi une très bonne technique si vous voulez avoir un huge. Et les gars, je pense que le huge que je vais farmer dans cette vidéo, je vais vous l'offrir. Moi, j'en ai assez. Donc, vous savez quoi? Je vais vous l'offrir. Comme ça, c'est aussi une manière pour vous d'avoir un huge free to play en participant à des petits giveaways. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment je vais vous l'offrir et si j'y arrive vraiment, les gars. Ok, bon, les gars, du coup, j'ai connecté tous mes comptes. J'ai pas compté mes 3 comptes où j'ai mis de l'argent. Du coup, j'ai pris que les comptes gratuits. Du coup, j'ai réussi à avoir 8 petits tickets, les gars. Ça me fait apparemment 150 000 de gemmes. Ça va être très utile. On va pouvoir s'équiper plus de pets pour pouvoir casser plus vite les dernières zones et même ouvrir plus d'œufs. Du coup, déjà, on va
voir si on peut s'équiper plus de pets, parce que je crois que j'ai rank up il y a pas longtemps. Et oui, regardez, on peut rank up, on va s'acheter tous nos pets, ça va être très utile. Je vais aller vendre vite fait mes tickets, mais les gars, ça risque d'être très très long, je pense. Du coup, les gars, j'ai tout mis en vente juste là, on va attendre que ça se vende. Et nous, après, faudra qu'on achète des meilleurs pets, les gars, parce qu'on n'a pas des pets de fou. On a presque les meilleurs, mais du coup, il nous faudrait ceux-là, là. Ils coûtent 22 000 unités, c'est très cher, honnêtement. Aïe, 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 j'avoue que ça va être compliqué de les avoir, je pense, ceux-là. Faudrait qu'on soit full de ceux-là, parce qu'on n'est même pas full de ceux-là. Bon, du coup, les gars, je vais attendre que ça se vende et on se retrouve dès que c'est vendu. En fait, les gars, changement de plan. Je crois avoir trouvé la meilleure stratégie pour pouvoir obtenir un petit huge gratuitement. Pour ça, je vais aller remplir toutes mes quêtes et acheter le maximum d'œufs possible en opening. Pourquoi, vous me direz? Parce qu'en fait, regardez, si on fait les achievements ici, on a un achievement juste là, open 5000 eggs, mais si on monte, on peut aller jusqu'à 750 000 œufs. C'est n'importe quel œuf, c'est pas forcément votre meilleur. Imaginez que vous terminez ce défi, vous gagnez un livre qui coûte 5 100 000. C'est énorme, c'est énorme. Donc c'est presque un huge, mais si on combine ça avec celui-là, Shiny Hunter comme livre, on gagne 914 000 de gemmes. Et en fait, les Shiny, c'est très simple. Vous avez juste à ramasser plein de reliques. Et en gros, ces reliques vont faire que vous aurez plus de chances d'avoir des Shiny. Et ensuite, du coup, vous en ouvrirez automatiquement dans les œufs. Et donc, comme ça, du coup, vous aurez votre livre. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire, les gars. Je vais juste refaire quelques défis, les gars. Je suis à la moitié de ce rang-là. Donc, je vais faire un petit peu mes défis. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment ouvrir le premier œuf. Ce qui va me permettre d'ouvrir vraiment à l'infini, sans voir ma monnaie se dépenser. Là, j'ouvre juste le dernier œuf pour compléter la mission. Je dois ouvrir 80 œufs du dernier œuf. Ok, mission complétée. Casser 3 pots dans la meilleure zone. Casser 3 pots dans la meilleure zone, etc. Vas-y. Recueillir 10 potions, la meilleure stratégie. Hop, j'achète au distributeur. Je prends dans le coffre là. Et du coup, ensuite, qu'est-ce que vous faites? Ici, vous combinez vos potions. Du coup, ça va m'en donner 6 en plus là. Et vous voyez, hop, ça me fait ma mission. Utiliser 15 fruits, ça c'est un c'est banal ça. Hop, c'est fini le défi. J'ai mes pets aussi, regardez, au daycare là, qui arrive dans 13 secondes. Ça c'est carré. Ok, let's go. Je vais gagner 53 000 gemmes. Non, les gars, je crois qu'on se rend pas compte de la chance que j'ai eu. 53 000, c'est énorme pour ce que j'ai mis. Et c'est tout. Dites-vous, regardez, l'estimation, regardez, j'ai mis 10 trucs comme ça. L'estimation, c'est combien? 31 000. J'ai eu le double, frère, c'est dingue. Bon, du coup, je vais aller dernière zone. Je vais casser du coup des trucs dans la meilleure zone. Et je dois aussi casser des pots. Donc, je vais me mettre là. Je mets une petite jarre. Et voilà, normalement, ça devrait se faire automatiquement au bout d'un moment. Ok, on a fait un petit rank up. Là, qu'est-ce que je dois faire? Casser 3 comètes. Je dois casser des trucs de diamant. Les gars, si je peux vous donner un conseil, si vous n'avez pas la VIP zone, le meilleur endroit pour casser du diamant, c'est la petite zone ici, Tiki. C'est une dinguerie le nombre de diamants qu'il y a. Vous allez là, déjà, il y a un truc de diamant. En fait, c'est le meilleur endroit pour avoir des diamants gratuitement. Regardez, encore un truc de diamant là. J'en ai recassé un autre. Encore un là. En fait, c'est l'endroit où il y a le plus de spawners de diamants. Si vous n'avez pas la VIP zone et que vous voulez monter ce défi vite, je vous conseille cette zone. Je trouve personnellement que c'est la meilleure. Je vais aussi casser des petites comètes vu que j'ai un défi. Les gars, c'est très important. Faites vos défis. Vous gagnez beaucoup de récompenses qui donnent de l'argent. Vous pouvez acheter plus de pets à équiper et plus de pets pour ouvrir des œufs. Donc c'est très important. Et surtout, vous pouvez équiper plus de livres. J'ai oublié de le dire ça. Donc ça vous permet aussi de farmer plus vite. Donc vraiment, faites vos missions. Très important, les gars. Ok, nouvelle quête complétée, celle des diamants. On se retrouve, je pense, quand j'arrive à passer le rang 6 pour ensuite acheter des nouveaux œufs. Et ensuite, on va open et ça va être une dinguerie, les gars. Ok, les gars, comme vous pouvez le voir à droite, on a fini le rang 5. On va prendre notre dernière récompense et on va voir ce qu'on va gagner du coup en passant le rang. Du coup, 7000 diamants. Est-ce qu'on va gagner quelque chose de sympa? Non, ok. Mais du coup, normalement, ici, on peut payer des nouveaux trucs. Voilà, plus de eggs, plus de eggs et plus de eggs. Ok. Maintenant, on doit passer rang 7 si on veut en ouvrir plus. Mais on va pas faire ça, les gars. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là et je vais ouvrir 27 œufs par 27 œufs. Normalement, ça fonctionne. On va faire le test. De toute façon, on va regarder. On est à 509 œufs là. Si je me laisse en AFK un petit peu et que j'en ouvre, ici, on est à 590. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rester AFK, les gars. Je ne sais pas combien de temps, mais ça risque d'être très long. Ça va prendre peut-être une journée entière, je sais pas. Mais de toute façon, notre but, c'est d'avoir un huge. J'ai jamais dit que ça serait facile. Et je pense que ça, là, ce que je suis en train de faire, ouvrir énormément d'œufs. D'ailleurs, j'aurais pu le faire dès le début. C'est ce que j'y avais pas pensé. Mais je pense que c'est la meilleure manière d'avoir un huge facilement. Et rapidement, surtout. Du coup, je vais à FK. Et on se retrouve peut-être demain, je sais pas quand. Il y aura un cut de toute façon. Et j'aurai le livre. Donc, à demain, ou je sais pas combien de temps. À tout de suite. Du coup, les gars, ça fait un peu plus d'un jour entier que ça open. Et si on regarde
dans mon inventaire, j'ai pu obtenir les deux livres. J'ai obtenu le shiny en très peu de temps. Bah du coup, vu que j'avais plein de reliques, du coup c'est ce que je vous conseille de faire. Et du coup, le Huge Hunter m'a pris un peu plus de temps parce que bah il faut ouvrir 750 000 œufs les gars. Et en vrai, j'ai quand même du coup réaugmenté de rang. Si vous regardez à droite, je suis rang 7. Du coup, j'ai acheté beaucoup plus d'œufs à ouvrir. Et grâce du coup au daycare, je faisais plein de gemmes constamment et je pouvais racheter des œufs en plus à ouvrir. Du coup, regardez, là j'ai encore un daycare. Voilà, plus 50 000 gemmes les gars. Je vous conseille, hein, mettez tout le temps vos pets au daycare. C'est très très important. Et du coup, regardez, si vous regardez, les gars, je vais vous prouver que je les ai bien eus. Regardez, open 750 000 eggs, voilà. Et hatch 2000 shiny, on les a eus. Et on est bien sur mon compte Cradock Free to Play, les gars, voilà. Donc là, notre but, parce qu'on n'a pas encore notre huge. C'est le but de la vidéo, n'oubliez pas, c'est d'avoir un huge et je vais vous le faire gagner. Déjà, hop, petit ticket gratuit. À chaque jour, du coup, j'ai pris mes tickets et j'ai aussi gagné des tickets dans les petites récompenses ici qu'on a. Par exemple, si j'ai pas assez de diamants, je peux farmer jusqu'au rang 15 là. Je peux avoir genre 5 tickets, ça me fait 100 000 diamants, donc c'est plutôt pas mal. Même là, les cadeaux, des trucs comme ça. Donc on va voir. Et en vrai, peut-être que je vais essayer de pas vendre le Shiny Hunter parce que j'aimerais bien peut-être le garder pour mes autres comptes quand j'open. Mais si j'ai vraiment pas assez, je vais sûrement le vendre. Je vais regarder c'est quoi le huge le moins cher. Normalement, le huge le moins cher, ça devrait être le Happy Rock. Ils sont pas classés par ordre de prix. Donc on va regarder. Le Happy Rock il coûte 6 700 000. Le L Rock il coûte combien? 6 800 000. Ouais, donc c'est environ 6 millions et quelques les huge. Je peux peut-être trouver moins cher. Genre, vous voyez par exemple là, 6 700 000 le Happy Rock, 6 068 000 là. Donc je peux me débrouiller pour trouver un peu moins cher que le prix de base, mais va falloir quand même que je vende. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je pense que ici, aux enchères, je vais peut-être mettre mon livre. En vrai, non, je sais pas. Déjà, faut que je regarde dans mon lobby. Est-ce que. Oui, il y a des gens qui peuvent m'acheter mon livre. Le livre, je vais le mettre là, celui-là, là. Le Huge Hunter. 4 086 000. Je sais pas encore à combien le mettre. Je vais le mettre à plus, je pense. Pour être sûr de pas me tromper dans le prix, je suis sur le site Cosmic Value. On va voir le livre Huge Hunter. Il vaut 4 075 000. Ok. Et sur le jeu, il vaut combien? 4 086 000. Ok, donc ça bouge un peu, mais vous savez quoi? J'ai envie de mettre le livre à 5 millions. On va voir s'il part, les gars. Du coup, moi, je vais devoir rester AFK. Et on va aussi faire autre chose. On va peut-être mettre nos clés et nos tickets en vente. Regardez, hop, 4 tickets pour 83 000. On va mettre notre petite cabine ici pour 30 000. Parce que du coup, elle va nous servir à rien, honnêtement. J'ai aussi 42 potions de chance que j'ai eu dans les défis. Donc, je vais mettre des lots de 10 à 93 000. Et pour le moment, je peux plus rien mettre, les gars. Je peux plus rien mettre parce que j'ai que 4 slots sur ce compte. C'est dommage, c'est dommage. Je vais aussi prendre, hop, les 1500 diamants. Et limite, vous savez quoi? Je vais essayer de mettre mon livre Huge Hunter à 4 085 000. Regardez, il arrive juste après, les gars, ici. On va voir si ça arrive à se vendre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'arriverai pas à le vendre sur mon stand. En fait, le problème, c'est que je suis pas dans des lobbies pro, donc ça va être compliqué de le vendre. Mon Huge Hunter, les gars, qui est en vente, pitié, achetez-le moi, les gars, achetez-le moi. Je vais leur dire dans le chat de regarder les enchères. Oh, on m'a acheté mon stand pour 30 000 diamants, c'est pas mal ça. Personne m'a acheté mon truc. Non, non, achetez-le moi. Vous savez quoi, je vais le remettre, les gars, je m'en fous. Je vais repartir au bout d'un moment. Bon, du coup, les gars, j'ai remis mes trucs là sur mon stand. On va attendre que tout se vende. Si j'arrive à le vendre et que j'aurai assez de monnaie, bah on va essayer d'acheter un huge. Les gars, n'oubliez pas, je vais vous faire gagner ce huge. Je vais vous faire gagner. On va tryhard, mais on va l'avoir, les gars, je vous le dis. Je veux ce huge. Du coup, les gars, on est encore un autre jour, les gars. Je vais pas vous mentir. En fait, j'aurais pu faire ça, cette séquence hier. Mais en fait, j'ai eu un tournage chez Unchained. Il y a Power qui est venu à la maison aussi pour un petit tournage. Je vais vous tease un peu le rec, c'était quoi. Attendez, regardez. Hop là. Voilà, il y en aura, ils sauront ce que c'est. Ça se trouve carrément, la vidéo de ça là, elle va sortir avant celle-ci. Je sais pas encore. Mais je sais pas, les gars. Ça se trouve, elle sera sortie avant. Vous l'aurez déjà vu. Mais si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et nous, les gars, là, normalement, je crois qu'on peut s'acheter notre huge. Du coup, normalement, regardez. Vous voyez à gauche, j'ai 5 millions 8. Tout ça, c'est grâce au daycare, aux trucs comme ça, les gars, qui m'ont fait récupérer énormément de gemmes. J'ai réussi aussi à vendre mon livre Huge Hunter pour 5 millions et je sais plus combien, les gars, je crois. 5 millions environ. Mais en fait, les gars, si on regarde, en fait, le truc, c'est que dans la Trading Plaza, les prix des huge, je sais pas pourquoi, depuis hier, ils ont baissé de malade. Genre, imaginez ici, je tape Huge Happy Rock, par exemple. Il vaut 4 500 000, les gars, c'est incroyable. Ça veut dire que je peux carrément acheter un huge un peu mieux qu'un Happy Rock que je peux vous donner, les gars. Il faut juste que je trouve lequel. Par exemple, le gobelin, il vaut combien? 5 millions. En vrai, le gobelin, les gars, je peux essayer de l'avoir. Je vais essayer de trouver le gobelin. Si j'arrive à vous l'avoir, bah, je vous l'offrirai. Mais par contre, si vous voulez le huge, les gars, faut s'abonner, les gars. Faut être impérativement abonné. Vous likez cette vidéo. Et voilà, c'est important. Et là, on a 9 millions 5. Ok, non. On l'a pas là. Est-ce qu'il y a un huge quelque part pas trop cher? Ok, non. Ça va peut-être être dur de trouver le huge. Mais je pense qu'on a moyen de le trouver. Vous voyez, tous les prix sont descendus. Donc, c'est-à-dire, là, vraiment, je n'ai même pas besoin de vendre mon livre Shiny Hunter, les gars. Je l'ai toujours. C'est ça qui fait plaisir. Oh, on l'a 4 millions 9, les gars. En dessous du prix. Hop là. Le petit gobelin. Il est juste là, niveau 64 avec deux bonus charmes, les gars, pour vous. Ça fait plaisir.
plaisir. Du coup, vous likez, abonnez-vous, les gars, pour avoir le huge. Et du coup, on a réussi notre objectif en 3 jours, les gars. J'aurais pu le faire en moins, mais c'est juste que j'avais d'autres trucs à faire, etc. Mais vous voyez, on peut avoir un huge très rapidement sur Pet Simulator. Par exemple, là, si j'envoie un deuxième, je peux recréer un compte, farmer des live huge hunter, etc. Quand il y a des événements, par exemple, bah, c'est le meilleur moment pour avoir des huge. Vous farmez les objets de l'événement et au lieu de les utiliser, vous les vendez. Par exemple, les cadeaux Titanic. Par exemple, quand il y a des mises à jour, vous empressez de vendre les nouveaux pets. Faut faire en fonction de ce qui se passe sur le jeu. Si vous regardez avant, les livres luck, ils valaient pas très cher. Et là, comme il y a l'événement, on doit ouvrir des pets pour l'événement de clan. Et bah, regardez, par exemple, un livre œuf 6, il vaut 1 million. Par exemple, le œuf 7, il vaut 8 200 000, les gars. Dites-vous, j'en ai 3 sur un seul compte parce qu'avant, il valait pas aussi cher. Il valait genre 5 millions et ça a monté 3 millions depuis l'événement. Du coup, regardez bien les prix de tout ce qui se passe. Et c'est le meilleur moyen d'avoir un huge. Regardez aussi beaucoup de vidéos, ça va vous aider. Mais du coup, on a notre huge. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit commentaire, les gars. Mettez bien votre arrobase en commentaire si vous voulez obtenir le petit huge, ça fait plaisir. N'oubliez pas, mettez aussi votre arrobase si vous voulez rejoindre le clan. Mettez votre arrobase si vous voulez rejoindre le clan et si vous voulez avoir le pet. Et moi, ça me fait super plaisir de vous l'offrir. Et je vous l'offrirai dans la prochaine vidéo. C'était Cradock. Tout le monde, peace.